Bonsoir à tous. Alors, moi, je vais vous parler de génomique et en commençant par la notion d'espèce pathogène versus non pathogène. Alors, c'est quelque chose qui a la vie dure, hein, espèce pathogène versus non pathogène. C'est dans les critères de corps. Le premier critère de corps, c'est un micro-organisme pour être pathogène doit être présent dans tous les cas de maladie et doit être absent des organes sains. Et en réalité, quand vous regardez que 20 à 40% de la population mondiale porte staphylocoque doré sans être malade, ou qu'il y a du portage asymptomatique du VIH choléré, on a du mal à comprendre ce premier critère. Deux exemples qui ont montré qu'au sein des espèces, il y a des souches plus pathogènes. C'est l'épidémie des Escherichia coli au 157H7 des États-Unis en 1982, chez des gens qui ont mangé des hamburgers chez McDo. 47 cas de colite hémorragique dans l'Oregon, le Michigan. L'étude de 9 souches de sel et de souches isolées de la viande hachée a montré qu'il s'agissait d'une souche nouvelle des Escherichia coli, qui est donc au 157H7, et ils avaient montré ça grâce à du profil plasmidique à l'époque. Autre étude, ça c'était une épidémie locale, une pandémie maintenant, avec la dispersion mondiale d'un clone de streptocoque pneumonie qui s'appelle 23F, qui est parti d'Espagne et qui, en quelques années, a diffusé dans le monde entier. Ce clone est multirésistant aux antibiotiques et ça a été identifié en particulier par PCR et FLP. Quel est le point commun à ces deux études? C'est qu'on a pu identifier ces clones par l'étude du génome, enfin d'outils génétiques à l'époque. Et donc ça m'amène à vous parler du génome. Du génome qui est l'ère génomique. On est entré dans l'ère génomique en 1995, avec, il y a deux jours, 191 600 génomes disponibles. Si je regarde aujourd'hui, il y en aura probablement quelques centaines de plus, parce qu'il se séquence des dizaines de milliers de génomes par an. Et cette ère génomique a permis d'entrer de changer de paradigme, et notamment de passer la notion d'espèce pathogène à la notion de clone pathogène. Et ça a montré en particulier une extrême variabilité parmi les espèces bactériennes, avec des espèces bactériennes qui sont très 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 conservées. Bacillus anthracis, par exemple, est extrêmement conservé, avec des génomes de 5,5 mégabases. À peu près tous les génomes de Bacillus anthracis font 5,5 mégabases. Un pangénome qui est très pauvre, de 6000 gènes, sachant que chaque génome a à peu près 5500 gènes. Et si on compare ça à des bactéries extrêmement hétérogènes comme Escherichia coli, qui a des génomes qui vont de 4,2 à 5,6 mégabases, c'est ce que disait Didier à l'instant, un pangénome de plus de 16 000 gènes, plus de 700 sérotypes ici, pathotypes, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même monde. Le premier exemple, en réalité, d'utilisation du génome pour résoudre une épidémie, ça a été celui en Allemagne de l'étude d'une épidémie de Escherichia coli au 104H4 qui en mai-juin 2011 a touché près de 4000 personnes avec 800 syndromes hémolytiques et urémiques, 53 morts. Le séquençage du génome a été réalisé en 3 jours et on a montré que ce génome était un Escherichia coli entéro-agrégatif qui avait acquis un prophage qui contenait une chigatoxine. Et ça a permis aussi de tracer l'origine de l'épidémie à des graines germées qui venaient finalement d'Égypte et non pas d'Espagne comme on a cru au départ. Qui mangeait bio. Alors, dans ces génomes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une multitude d'informations dans les génomes et en particulier des informations extrêmement intéressantes pour tracer les épidémies puisqu'il y a des séquences qui sont spécifiques de souches. Il y a des marqueurs de résistance, il y a des marqueurs de virulence si tant est qu'on arrive à définir ce qu'est un marqueur de virulence. Et puis, on arrive à définir aussi un certain nombre de méthodes avec les SNP, les VNTR et les MST qui sont capables de définir très très précisément une espèce, une souche. Alors, quelques exemples d'applications de la génomique à l'élucidation des épidémies. L'émergence du Mycobacterium tuberculosis Beijing, qui est une souche virulente de Mycobacterium tuberculosis qui, en plus, est multirésistante aux antibiotiques, qui a émergé dans les années 80, mais dont on sait aujourd'hui, en particulier grâce à la génomique, comment elle a évolué. Et en fait, cette souche est partie d'Asie et a progressivement migré et été essaimée dans le monde entier. Elle représente aujourd'hui à peu près 10% des isolats mondiaux. Mais vous voyez que c'est une répartition quand même hétérogène avec 40% des souches dans les pays de l'Est, 32% des souches dans l'Asie du Sud-Est et 60% des souches
dans l'Asie de l'Est. Autre exemple, l'épidémie de choléra d'Haïti des années de 2010, plus de 800 000 cas, plus de 10 000 morts. Deux isolats de cette épidémie ont été séquencés et la phylogénie basée sur le génome et l'étude du superintégron que contiennent ces souches a permis de montrer que cette souche haïtienne en fait, vient d'Asie et qu'elle a été probablement importée par les soldats, le bataillon népalais des soldats de l'ONU qui étaient là pour maintenir la paix. Autre épidémie un peu moins prévue, c'est que si vous avez un jour une périodontite, et bien vous pourrez vous dire que peut-être qu'en fait, la souche qui cause votre périodontite vient d'Afrique, puisqu'il y a une souche d'agrégatibactère Actinomycetum comitans, qui est actuellement responsable d'une pandémie de périodontite, et donc qui a émergé à partir d'Afrique du Nord-Ouest. Autre application de la génomique, c'est la génomique en temps réel. Le développement d'outils extrêmement performants de génomique a permis maintenant d'obtenir des séquences génomiques en un temps record. Ça, bien sûr, ça, c'est un peu triché en réalité. C'est l'épidémie de Birmingham de 2015 où une épidémie d'infection à Salmonella enterica enteritidis, 37 cas, et où Oxford Nanopore, en fait toute l'équipe Oxford Nanopore, toute l'usine Oxford Nanopore, a séquencé 16 souches en une nuit, juste pour montrer que leur technologie était au point. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'effectivement, ils étaient plusieurs centaines à faire le boulot toute la nuit. Mais on est capable de le faire quand même. Et ils ont tracé ça à la consommation importée d'Allemagne. Encore, et une dernière application de la génomique, c'est en fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a des clones épidémiques, mais il y a des gènes épidémiques. Et donc, on a pu nous travailler il y a quelques années sur une souche épidémique d'Acinetobacter baumannii multirésistante qui initialement avait été identifiée à l'hôpital Bicêtre et puis qui en fait a été épidémique dans les années 2003-2004, qui a fini par toucher 54 hôpitaux français, dont le CHU de Marseille. On a pu récupérer cette souche qui était la souche AYE. On l'a comparée à une souche super sensible qui était une souche d'Acinetobacter baumannii de poux humain. Et on a étudié les génomes de ces deux souches, comparé les génomes de ces deux souches. Et ce qu'on a trouvé de façon qui était marquant comme différence, c'est qu'il y avait un îlot génomique très gros chez la souche résistante, qui faisait 86 kb, alors que la souche sensible avait un îlot génomique beaucoup plus petit. Et que ces deux îlots génomiques dans les deux souches étaient localisés exactement au même endroit. Elles coupaient un gène codant pour une ATPase. Dans la souche sensible, l'îlot génomique de la souche sensible n'est pas grand-chose, des transposases n'est pas grand-chose. Par contre, dans l'îlot génomique de la souche résistante, on a trouvé 25 gènes de résistance aux antibiotiques et à peu près à toutes les familles d'antibiotiques. Il y avait même des gènes qui étaient redondants. Une vingtaine de gènes qui étaient codants pour des résistances aux métaux lourds. Des intégrases, beaucoup de transposases qui montraient que ces gènes étaient capables de se déplacer. Et puis d'autres gènes. Et puis surtout, ce qui était extrêmement intéressant, c'est leur organisation. Organisation en transposons, organisation en intégrons, et puis leur origine. C'est-à-dire qu'il y avait des intégrons quasi complets qui venaient de pseudomonas. Tout ce qui est vert venait de pseudomonas. Donc, tout ce qui est jaune venait de salmonelle. Vous voyez, des morceaux entiers de cet îlot génomique étaient pris en bloc et intégrés dans le génome de cet acinetobactère. Les autres venaient d'Escherichia coli et puis certaines d'autres bactéries. Et donc ça a montré que cette bactérie avait récupéré d'abord un génome tout à fait particulier et qui était capable d'intégrer des gènes de façon absolument extraordinaire. Et puis surtout que ces gènes avaient une mobilité extraordinaire et étaient capables donc, d'être échangés entre les bactéries. Voilà, je m'arrête là en vous disant que donc, la génomique, les nouveaux outils de génomique, offre des outils, des possibilités diagnostiques extraordinaires. On peut séquencer aujourd'hui un génome en 2-3 jours pour 50 à 100 euros. Quand Hervé disait que c'est trop cher, bon, certes, mais c'est quand même 50 à 100 euros. On peut faire ça à partir d'isolats, mais aussi d'échantillons cliniques. Il y a plus de 190 000 génomes disponibles aujourd'hui. Il y en aura certainement près de 200 000 dans pas longtemps. Ça constitue une source unique, un outil unique pour tracer en particulier les épidémies. C'est compatible avec la microbiologie de routine. Nous, on applique la génomique au quotidien. Des souches qui nous paraissent inhabituelles, eh bien, on séquence leur génome tous les jours. Et donc, ça va permettre de changer profondément la prise en charge des patients et des maladies infectieuses dans le futur. Je vous remercie.